اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Dormir juste à midi par exemple, ça n'annule pas quoi? Ça n'annule pas le siyam. Pourquoi je dis comme ça? Parce que beaucoup de gens croient que le fait d'être en impureté majeure, ça annule le siyam. Non, ils croient que ça influe sur le siyam, alors que ça n'influe pas, sauf si nous, yani, on va causer cette impureté majeure en ayant par exemple un rapport avec notre femme. Dans ce cas, bien sûr, on a annulé. Mais si ça vient tout seul, ça n'annule pas بإذن الله عز وجل.